Pourquoi est-ce que je commence toujours mes devoirs à minuit? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer de l'école, je finis à 17h. Et ensuite, je dois prendre le RERC qui est là une fois toutes les 30 minutes. Et vu que je suis tout le temps en retard, bah je le loupe à chaque fois. Donc je suis chez moi vers 18h, 19h30. Ensuite, je dois faire du montage pour la vidéo du jour. Donc tu comptes facilement 3h. À partir de là, il est 22h30, 23h. Je dois manger, aider ma daronne à faire tout. Je dois me laver aussi parce que j'ai pas envie de puer. Après ça, je dois ranger ma chambre, faire mon sac et souvent nettoyer mes palettes de peinture. Et une fois que ça c'est terminé, je peux enfin commencer mes devoirs. Donc minuit, c'est vraiment soft. Et ensuite, les devoirs en école d'art, mais c'est tellement long. Parce que de 1, je prends mon temps et de 2, c'est pas comme une leçon que tu peux apprendre en 1 heure, 2 heures et c'est fini. C'est que si ton devoir il est moche, tu dois recommencer. Et encore, l'école où je suis, je trouve que ça va, niveau devoir, on est tranquille. Mais frérot, l'ancienne école où j'étais, je commençais à minuit, je finissais à midi le lendemain. Non-stop, hein. Vraiment non-stop. Donc vraiment, je t'en supplie, je te le demande vraiment gentiment. Tu peux t'abonner pour me soutenir, merci.